Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voulais adresser à mon tour mes sincères remerciements à l'égard de Madame la rapporteure pour la qualité du travail qu'elle a mené, à la fois sur son appréhension du sujet ô combien important, mais aussi sur la méthode qui a été utilisée et qui a permis, je crois, que nous ayons au sein de tous les bancs un excellent débat sur un sujet ô combien important qui nous a permis de partager face à la déferlante de la mode jetable les impacts absolument épouvantables, à la fois en matière environnementale, en matière sociale, en matière de distorsion de concurrence pour notre économie et nos marques. Alors je voudrais également saluer le gouvernement et remercier particulièrement les engagements qui ont été pris par le ministre, notamment en matière de révision de la Convention de Bâle, qui est un sujet éminemment important, notamment pour nos relations Nord-Sud. Également saluer l'engagement qui a été pris sur la question justement sociale. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur la manière dont celles et ceux qui confectionnent ces pièces sont traités, et donc il nous faut impérativement avancer sur ce sujet. Alors nous avons au sein du groupe démocrate un regret, c'est la question du plastique. Vous le savez, mes collègues Jimmy Pain et Philippe Bolo sont extrêmement engagés. On connaît le rôle du plastique, notamment dans la perte en matière de biodiversité. On aurait aimé pouvoir introduire cette modulation. Néanmoins, nous sommes évidemment extrêmement favorables au texte. Et à nouveau, nous tenions à vous remercier, Madame la rapporteure. Et naturellement, le groupe démocrate votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.